Eh ouais, il y a les chons. Il y a les chons, chons, chons. La vocale dédiée pour ceux qui veulent rejoindre. Bah c'est direct en fait, c'est direct Twitch parce que j'avais pas de. Oh, j'avais pas vu mon miniature de direct tout à l'heure annoncé en Twitch. Enfin, Twitch en. C'est pas mal. Sur Dying Light. Oh la vache, il y a un bouger de flammes, ça fait stylé. Comme affichette de. Alors, que je vous relise dans le chat. Retourta! Ouais, en espérant que tu te sois ressourcé. Oui, j'avais bien compris que t'adorais la chanson, Erika. Mais ouais, pourquoi la chanson s'est pas jouée alors que t'es VIP? J'ai dû merder un paramétrage, je crois que je revois. Oui, ça fait du bien après une nuit agitée. Ouais, bah ouais, non, mais c'est bien, Torota. Tu récupères des forces. Alors, qui veut jouer au golf avec moi? Il y a Nayone qui va arriver. Attendez, dans personnaliser. Ah oui, l'emote. C'est quoi ça? Ah, c'est ça que jouait. Que jouait joyeusement. Le disco me faisait bien rire. Que jouait Edge. Ah oui, il avait trouvé le truc. Alors, je me mets en tout rouge. Non, pourquoi pas, c'est un style. Chapeau. Le diadème de princesse. Mon Dieu, ça fait idiot, mais c'est rigolo. Ah, pour changer. Allez, je vais changer un peu d'apparence dans le jeu. Option. Non, c'est pas là. C'est non, c'est une fois que je lance un mode de jeu que. Alors, je vous laisse vous préparer. Je vous laisse vous préparer. Attends, je regarde subtilement mon Discord pour voir si tout va bien. Oui, visiblement, il n'y a pas de couac. Ah là 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 là. Ah, que je refasse aussi, que je reprenne le montage du Lego justement offert par Torota, l'Atari. Peut-être que je finirai là-dessus demain. Faire 2 petites heures de Lego et bavarder avec vous. Peut-être. Ouais, l'après-midi, on ferait peut-être ça. On ferait peut-être du. J'aimerais faire du Sonic aussi, Adventure DX. Je sais pas si j'aurai le temps de placer demain après-midi. Sonic Adventure DX, Tezo, Broforce. Et Lego. Grosso modo, de 14h à 20h, ça va être. Ça va être violent. Je viens pas en vocal, mais peux mettre mon casque. Je viens de me laver les titifs. J'arrive en jeu tout de même. Ouais, d'accord. Ok. Oui, bois un coup. Oui, merde, j'avais dit que je. Durant ma pause, je me préparais de la flotte et je l'ai pas fait. Mais ouais, ça va, j'ai du sirop de toujours de fraises sous la main. Merci Erika, t'as raison. Alors le dos droit, je me suis bien réinstallé. N'aie crainte Erika, merci. Mais c'est vrai que la flotte, j'ai zappé. J'avais dit que je changerais de glouglou et non. Non, non, non. Préparer la salle, oui, héberger, oui. Oui, j'avais oublié de cliquer sur héberger. Suis-je bête? Quelle carte? Quelle carte? Bah, le donjon, on l'avait pas fait depuis longtemps, je crois. Oui, oula, ça fait longtemps le donjon, je l'ai oublié. Oh, on va démarrer avec des paramètres quasiment normaux. Je sais plus, je mettais. Ouais. Allez, 30 coups. Oui, là, on commence en normal. Oui, on va pas mettre des paramètres excentriques tout de suite.
Alors, le golf, est, comme c'est de la relaxation, ça, vous voyez, je reste ouvert aux interactions dans le chat. Donc, si vous voulez bavarder avec moi, enfin, échanger avec moi, c'est un jeu opportun pour ça. Tiens, c'est rigolo, les cas, je suis en train de voir que tu as une émoticône d'un mec qui danse. Musique à dance. Et encore, je dis un mec, ça, visiblement, c'est une femme. C'est rigolo. C'est rigolo. Brr 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 brr. Bonne formule, toi, t'as. Avec les calculs rénaux, je te dis pas les chiffres qui se baladent. Personne nous rejoint, on est entre dans C1. Je sais plus qui avait la chance d'être titulaire du Golf Around, je sais plus. Enfin bref, s'il y en a qui sont intéressés, qui se manifestent à nous, et on va commencer par un duel entre Nancéens. Et puis voilà, vous manifestez dans le chat ou dans le salon, le lobby, à l'anglaise, lobby. C'est Lost in House, une demoiselle qui dit jar techno progressive. Oh mon dieu. Oui, viens, allez. Oui, non, je comprends, Nash. Je conçois, il n'y a pas de mal. J'y conçois. Ce serait donc un duel nancéen. Oh merde, j'ai pas de bol. Ah, peut-être tout à l'heure. Ok, t'es en retard. Un gars m'a donné un abonnement d'un an sur sa chaîne. Waouh! Waouh! Eh il y a des gens généreux sur Twitch. J'avais oublié l'existence de cette lame scie circulaire. C'est un pas. All in one? Yeah. J'ai même pas fait gaffe, excuse-moi, je suis. Je vous avouerai que je suis perdu dans mes pensées. Et... Ah, dommage. Et je ne vous cacherai pas que j'ai été quelque peu troublé par l'appel tout à l'heure téléphonique spontané que j'ai eu. C'est... Bref. Ah. Bah alors... Alors j'espère que tu souffres pas d'un léger décalage de latence entre les événements et ce qui est affiché chez toi, Nayane. Des latences réseau parce que c'est moi qui héberge la partie mais bon j'ose espérer que le code du jeu de golf ait été suffisamment bien mais non mais non ah. Ouais, je te laisse te concentrer et bien la traînée de la balle c'est des patounes c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Oula, c'est chaud, on peut le dire. C'est pas vraiment ce qu'il fallait faire. Bien. Salutations.
Ah bonjour Tuitsen, comment que ça va? Là, comme un samedi, hein. Ouais, parce que Ah ouais. on prend pas mal de nos nouvelles les uns les autres, et figure-toi qu'il y a cette semaine je me faisais la critique de me dire mais merde, on a pas. Tu passes souvent nous faire un coucou sur nos chaînes respectives, surtout en fin de journée. Je dois reconnaître que c'est pas spontané, même moi je me fais l'autocritique de te poser la question comment tu vas? Comment ça me Ouais, moi au moins que tu puisses souffler quoi, en espérant que tu bosses pas le dimanche. Heureusement. Bon bah c'est déjà ça, c'est bien. Une samedi non plus. Eh bah c'est cool. Ah oui, j'observe Nayone. Ouais, je pense que Nayone est allée se gérer Réglisse, son chat. J'ai toi qui donne à manger normalement. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est t'achètes des pizzas, t'en même pas dans le bac. Mon Dieu. Oui, en parlant de pizzouille, j'ai pas réfléchi ce que j'allais mettre sous la dent ce soir. Ah si, je sais, génial. Alors je regrette vraiment que ta recette de mousse au chocolat ait été supprimée. Tu es une saine, je voulais tellement la goûter. Kappa. Ouais, c'est naturel, c'est au moins. Quand on parle de chocolat, souvent je repense à l'anecdote historique avec Christophe Colomb. On lui avait offert des fèves de cacao. Et ce nigaud les a balancées par-dessus bord à son retour en Europe parce qu'il croyait que c'était des déjections d'animaux, de brebis. Il n'avait pas identifié les fèves comme étant comestibles sans savoir qu'il fallait les cuire. Et c'est dingue comme anecdote parce que tu te dis, on aurait découvert le cacao plus tôt dans notre continent, dans l'histoire de l'humanité, s'il n'avait pas commis cette erreur monumentale, quoi, de mal identifier le On cadeau saura qu'on lui jamais, avait hein. fait. On saura jamais, ça. Bah, il y a. Si je suis aussi affirmatif, c'est qu'il y a des historiens qui ont retrouvé le journal, le récit de bord, de voyage de Christophe Colomb, et qu'il avait décrit, en fait, sans le savoir, des fèves de cacao qu'on lui avait offertes. Et lui, Ah. il avait mal. Je sais pas, qu'est-ce qui lui passait par la tête? Ou alors on lui a donné des infos erronées? Et il s'est dit, mais non, c'est pas comestible, c'est de la mouise, en pleine mer, je m'en débarrasse par-dessus bord, et voilà quoi. Donc c'est toi le sage qu'on lit maintenant? Pardon? Je t'ai pas compris. C'est toi le sage de Colombie? Le sage de ton zombie. Non, de Colombie. Ah, de Colombie! Oh là là, pardon. Je. Oui, on va dire Bon. ça, oui, écoute. La Colombie, c'est pas le pays des Farc et attrape là avec la Bettencourt? Je sais Non, plus. je sais plus moi. Non, c'était plus loin. Enfin bref, que de souvenirs. Oula, oui, alors ça c'est pas évident. Je sais plus comment on fait là. Il y a une. Ouais, voilà, je me suis fait quick. Je sais plus s'il faut y aller Quick. bourrin ou pas. Alors, il faut dire d'autres marques, hein. McDo et Burger King. Lui, t'as dit Quick, hein. C'est ça. Effectivement. Mais bon, le Quick et Burger King, c'est le même groupe. C'est pareil. Oui, au pif, Nayonet. Naturel et plein de bactéries, oh mon Dieu. Ah, je me suis. Ah oui, Tu veux, si, j'ai oublié cette carte. Oui. je peux lui remettre à ma. Ma recette de ce chocolat si vous voulez Bah visiblement il était motivé, on dit hein, qu'un capa, mais c'est la bonne, comme on dit. yeah. Je sais plus si on peut passer par-dessus. Non, je crois que c'est risqué de passer par-dessus les flammes du dragon. Une dragon sky. C'est ça. Mmh.
C'est bizarre, je me souviens d'un... Oh! Oh, 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 le bol. Ah oui, il y en a d'autres. Ouais, mais non, j'ai fait trop fort. Ouais, j'ai vraiment du bol. J'ai vraiment du bol. Ah bah tiens, bien fait pour ma gueule, j'aurais dû faire un poil plus fort. Ah ouais, 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 t'as pas la même physique. Ouais, il y a bien un décalage entre l'image et le... Ça, c'est fou, ça, les jeux en réseau, on le voit. Non, j'allais faire une bêtise, maintenant. Après, ça dépend du... des débits de chacun, hein. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Maintenant que tu me dis ça, je reviens sur l'incident Minecraft d'hier. Pourquoi il y a eu ce plantage du serveur? J'ai pas la réponse. La partie d'un fil. Ouais, non, enfin, ça m'a vraiment déboussolé, quoi. Quand j'ai essayé de décrypter le rapport des erreurs du serveur Minecraft là hier, c'était vraiment énigmatique en tout point. Pas clair. Oui, d'ailleurs, pardon, j'ai pas posé la question. Je sais pas si l'un d'entre vous, depuis hier soir, depuis 22h, il y a l'un d'entre vous qui a essayé de se connecter au serveur Minecraft, parce que moi-même, j'ai pas eu la présence d'esprit de vérifier. J'aurais pu le faire. Pas moi. J'ai pas le jeu, donc je peux pas te dire. Oui, non, je sais bien, Tunsen, mais au pire, je ferai peut-être un test tout à l'heure avant d'aller me tuer. Mais je reste relativement confiant. C'est bizarre, je me souviens d'un niveau dans ce jeu, mais je sais plus où il est. C'est pas le niveau là, qui est le grand final. Oh non, là je confonds peut-être avec un jeu de mini-golf, un autre, je sais plus. Enfin bref, peu importe. C'est beau, j'aime beaucoup leur modèle 3D. Oula, oui, hier j'étais assez proche des flammes. Ah non, j'ai pas fait assez fort. Oh, je vais cuire. Et voilà. Et merde. J'y ai pas cru. Oh, je suis sous le pas. Génial. Oh, on a gagné un score érotique. Il a fallu une choix à 59. Ouais, 54, ouais, le département, c'est ça, notre meurtre et Moselle. Allez, où un autre représente. C'est chez toi, ça, la mort de... C'est chez toi, ça, la meurtre et Moselle. Eh oui, c'est mon fief, on peut le dire. C'est dans ton secteur, ça. C'est ça. Ma terre natale. Va pour les femmes cuches, tout ça. Pardon. Les femmes une cuche. Flammenkirch, c'est côté Alsace. C'est bon ça aussi, ça. Oui, c'est pas dégueu, j'aime bien. Non, nous, on peut pas faire un équivalent. Nous, on a plutôt la quiche en Lorraine, hein, Meurthe et Moselle. Oui, la quiche Lorraine, d'où le nom. Oui, dans une scène, oui, c'est vrai qu'il y a Nayana qui t'invite. Tu serais pas intéressé par un mini-golf, une scène. Tu vas me dire, t'as pas allumé ta bécane et puis t'as pas. Ah, c'est en train de démarrer, la mise à jour Steam, hein, donc on va attendre un petit peu, hein, mais... Effectivement, c'est toujours un diesel. Ouais, bah oui, je pense bien. Mais là, tout à l'heure, j'ai trouvé mon futur bureau. Ah, heureuse nouvelle. Bien. Après, on n'a plus qu'à la remplir. Oh, ça, là-dessus, je pense que c'est. Et là, j'ai peut-être trouvé une boutique parisienne qui va me dans le quartier chinois qui va faire mon affaire. Dans le sens du sur-mesure ou qu'il y a beaucoup de modèles qui pourraient te plaire dans leur catalogue? Les deux. Ah, cool. C'est la fameuse rue Mongalais, comme on l'appelle à Paris. Alors là, je suis inculte. Ah si, c'est le quartier, l'arrondissement de Paris où, qui pullule de boutiques chinoises, c'est ça? Ouais, c'est ça, de PC où à l'époque, il y avait Avenue Dominique, il y avait Surcouf. D'à côté. Ça a été remplacé par un Laurent Merlin. D'accord. Je suis passé une fois dans cette rue là, cet arrondissement bourré de boutiques chinoises. C'est assez vertigineux. C'est devenu le quartier chinois de Paris, oui.
Non, là-bas, c'est le prix, c'est faible. Et comme je suis pas très long en voiture, à peu près une demi-heure, donc je me dis pourquoi pas faire un tour là-bas. Enfin, plus rapide que par internet. Ouais, tu pourrais dégoter effectivement des affaires localement qu'il n'y a pas sur le net. Non, non, bien joué. Donc je vais voir ça après. Oui, doucement, sûrement. Nayonek a eu un beau lapsus en disant je vais te rendre mon vieux PC Tuncen, j'en ai acheté un neuf. Il voulait pas dire rendre, mais revendre. Non, non. Sinon, on fait un achat groupé, hein. Ça coûtera peut-être moins cher, je sais pas. Et puis ils font aussi des portables là-bas. Hein. Ouais. Oh, bon, c'est pas. Pour les gens qui mettent les portables, où les batteries se déchargent très vite. Où il faut mettre une prise de courant après. C'est pas la Chine qui va manquer de ressources au niveau de l'électronique à vendre. Hein. C'est pas comme si c'est eux qui crevaient au niveau des ouvriers chinois à fournir toute la planète en puces électroniques et autres circuits imprimés. Enfin bon, bref. Oh non, merde, je suis tombé dans le bassin des carpecoïs. Ah oui, c'est au bonheur la chance ici, c'est vache comme. Oui, c'est très vache. Et j'ai l'impression que je suis abonné au Carpecoy, moi. Bah, le Carpecoy. Ouais. Ah! Je crois qu'il est bon d'accéder au tuyau sans faire de rebond. Je devine un certain agacement dans la manière de jouer de Nayonet. J'ai l'impression que tu es vachement frustré, hein, mon pauvre. Non, non, c'est moi qui suis frustré le temps que ça démarre, c'est super long. Bon, bah vous êtes deux frustrés et navré de le constater. Mais pas pour la même chose, c'est pas la même chose. Ouais, sans blague. Aïe 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 aïe. Voilà, c'est quoi Steam là? Ah là 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 là. Il y a plus la mise à jour, mais une nouvelle. Là, ton dernier coup était beau, ça faisait pro, c'était bien. Non, oui, c'est vrai qu'il y a le katana, oh là là. La lame japonaise qui va nous faire bobo. Il y a moyen, voilà. Il y a moyen de bien faire. À savoir si Nayonet va passer cette difficulté. Le katana a tranché pour lui la question. Et lui aussi, par la même occasion. Simuche. Est-ce que ce sera le Daikatana, on peut dire. Ouais, le jeu de John Romero, c'est ça. Le jeu de Moisy, là. Tu fais un flop, pas possible. Ah, un coup d'essai manqué. Elle est croyante, son truc, hein. Et ça, non. Bah, il a le droit d'y croire en son projet, mais. Non, moi, j'ai jamais compris dans l'histoire vidéoludique. Je n'ai jamais accepté, finalement, au fond de moi, pourquoi Midwinter, le jeu dont je vous ai déjà parlé, là, des années 90 sous DOS, qui est pour moi l'ancêtre des Far Cry. Je ne comprends pas pourquoi ce jeu n'a pas eu une notoriété au moins d'égal à égal avec, par exemple, le Dune 2, qui était le premier jeu reconnu de stratégie militaire, quoi, l'ancêtre des Command & Conquer. Parce que moi, franchement, je le vois comme un enfant, enfin, pas un enfant, mais un parent spirituel des Far Cry. Ça te parle, Midwinter, Tuncen, ou pas? Attends, je vais regarder. Le nom comme ça, non. Attends, je vais regarder. D'accord. Midwinter.
Parce que je sais que t'as quand même une culture vidéoludique bien costaud. Sur PC? Oui, DOS. J'ai joué sous DOS quand j'étais ado. D'ailleurs, il y a eu au moins deux opus. Je sais plus si on a eu un... Ah oui, il y avait peut-être un troisième en développement, et puis je sais plus, la boîte qui développait a coulé, ou il y a eu un couac, mais il y avait deux opus. Alors, le deuxième opus, je me suis un peu frotté, mais j'ai jamais vraiment pris le temps d'y jouer. Peut-être le ferai-je dans le futur. Mais le premier, j'ai dû faire 4-5 fois la même... Enfin, la campagne, j'ai dû le faire 4-5 fois le jeu. Je vois des trucs, attends. Mid, oui, là j'ai topé Mind avec un N. Non, pas l'esprit, pas Mind, mais Mid, mi-hiver, mid, winter. Ouais. Attends, j'ai trouvé la page Abandonware, site favori. Ouais. Screenshot, question screenshot. Yep. Oh lolo. Ce jeu a fait mon adolescence, comme les Wolfenstein 3D, les Dune 2. Même d'une 1 d'ailleurs, qui était adapté du roman. Voilà. Ouais. Nostalgie, conduire de nouveaux véhicules, motoneige, ski, etc. C'est ça? Ouais. Tu pouvais même faire du parapente dans le premier. Dans le 2, t'as même des aéronefs mécaniques. Tu peux faire de l'avion, de l'hélicoptère, même de la montgolfière, si je dis pas de bêtises. Ça devait être lent. Pour moi, c'était absolument génial. Simulation stratégie. Ouais, ça me parle pas. Ça me parle pas. Ah, y a, je vois du noir. Je vois enfin le noir de Steam, car il commence à apparaître. Wouhou ! Espoir. Ah bah tu vas peut-être nous rejoindre dans le prochain monde. Ouais, sûrement. Parce que là on est au 11e. Après le temps que je démarre aussi. Ouais, on verra. Mais bah là il y en a Yannick qui a du mal à maîtriser le 11e trou. Espoir. Ah, il n'aime pas les trous lui, Yannick. J'aurais pas dit ça. Non mais c'est dommage, là il est à la peine. C'est pas ta gueule rouge qui a des problèmes avec tes trous là, non? Je sais pas. Ouais. Il n'y a pas une histoire de trous comme ça. Vie. Sa compagne en avait. Non, je vais pas la faire, elle est immonde. Je vais me taire. Ça va, j'ai mon taux limite de. On va dire de salacité. Tu coupes ton micro de live et tu nous le dis là en vocal. Ouais. Non. Ah, Planet Crafter 1.1 disponible. Qui que quoi, 1.1 dispo? Planet Crafter. Ah. 1.0, pardon. 1.0. Ah. Ça me promet ça dans les pubs populaires à recommander. Oui. Vas-y, ah, il y a son 1.0, maintenant disponible. Eh bien. Ils ont dû projeter plein de trucs, à mon avis, je pense. Tiens, machin vert, c'est quoi, là? Tiens, j'avais pas fait gaffe le ciel étoilé. Ouais, il y a un petit défaut au niveau de la texture. Non, c'est des ponts. Ah, là, ça fait bouillie d'étoiles, au loin. Bruit. T'as rallié l'arrivée. Oula! Oui, tu me diras, c'est pas mieux, moi. Mais pourquoi pourquoi le Nayonet, il vient pas en vocal là? Qu'est-ce que c'est, bâtard? Il veut pas, il a pas envie de bavarder, c'est son droit. Oh lolo, c'est de nature là. Ou alors il est en environnement bruyant qu'on ne sait même pas. Avec ton chat qui hurle. Ah eh oui. Ah, Volperound, il y a un petit machin vert à côté, donc c'est là. Ah oui, c'est vrai, ouais. Le pire c'est que tu l'as dit tout à l'heure, pourquoi tu venais pas en vocal. Mais oui, t'es au casque et t'as fait ton shampoing. Et t'aimes bien garder les cheveux trempés. Bah oui. Un peu de shampoing. Oui, enfin. Mais il a pas des.
Mais il a pas des oreillettes à la place d'un casque? Non, non, mais non, mais on va pas le bousculer pour si peu. T'inquiète pas, on aura le plaisir de retrouver la Okay. bonne Nayone, Ah, même si ce n'est pas il a la pas tienne. ses cheveux pour accueillir. Mais non, mais enfin, c'est son plaisir. Bon, bref, on va pas le contrarier. Ah, ses cheveux doivent vite. Oui. Voilà, du coup, j'ai complètement merdé mon tir. C'est pas grave. Oui, c'est qu'un Ça prend jeu. des points pour un aïonnette. C'est ça. Alors, attends, moi, faut que j'aille au bon moment. Non, mon angle était mauvais. Saleté de cochonnerie de saleté. Nyeh. J'ai plus de 12 succès sur Oh. 30, hein. C'est nul, hein. Bon, je vais y aller C'est par nul. étapes. Ouais. Mmh. Je vais y aller par étapes. Je vais pas tenter le diable. Eh, tu vas rire, je viens de m'apercevoir que j'ai que 1 centime dans mon compte Steam. C'est merveilleux. 1 centime. Symbolique. Alors, je crois que ça m'est déjà arrivé une ou deux fois de ouais, d'être au plancher d'un centime. Mais ah oui, Y a j'y avais pas pas grand-chose à ce pensé. prix-là. Oui, pardon. Y a pas grand-chose à ce prix-là. Ouais. Tu m'étonnes. Mais non, Nagnonet qui disait, c'est vrai que j'y ai pas pensé par rapport à la chevelure de la marquer par rapport à la trace du casque qui fait moule en fait sur la chevelure. Et oui, après oui, t'as pas l'air con. Ouais. C'est vrai, j'y avais Ah, pas ça pensé dépend à ça. si. Ah ouais, ça dépend s'il sort après, hein. Écoute, voilà, ça dépend des chevelures. Oh! Ah, sinon, la cache, quoi, ça, hein. Merde, c'est pas de bol. En plus, il commence à faire chaud, là. Oui, moi je me suis Moi, j'ai rasé ma trop faim. court, j'ai peur de celui du visage. Moi, j'ai pas 5 degrés, là, où je suis, là. 22, moi. Oh, 25, j'aurais déjà trop chaud. Oh là là. Oh, j'espère que je vais pas agoniser encore cet été. J'ai vraiment peur hein, maintenant, à l'approche de tous les étés, de d'avoir même plus une canicule, une simple vague de chaleur. Ça peut me tuer littéralement. Oh bah après moi la semaine prochaine j'aurai de la pluie donc c'est pas grave, ça va. Ouais, bah, j'ai presque envie de te répondre que je t'envie. J'ai pas regardé la météo en Lorraine au niveau des prévisions, mais bon, bref. Demain 19, lundi 13, mardi 12, mercredi 11, donc après ça baisse, hein, ça va. Oh, 28 pour Christella qui est pas très loin d'Agen, si ma mémoire me trahit pas. Comme les prunes. C'est ça. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait là, le golpe de round là? Déjà 28. Merde, j'aime pas regarder dans quel. On arrive vers la fin, nous. Je crois qu'on est au 15e trou sur les 18. Si je me trompe pas. Yeah! Attends, bah tiens, il a. Oui, on est au 15e sur 18, c'est ça. J'allais dire, heureusement que Bon, Tayone c'est n'a vrai pas qu'on ne pas commencé. trop, j'ai démarré le jeu. Ouais. Alors, encore une canicule, sortez la crème à bronzer. Non, non, déconne pas, Nayone. J'en ai marre de cuire et de suffoquer. C'est surtout suffoquer. Les chapeaux, tout ça. Non, mais même les chapeaux, j'ai presque envie de te dire que ça marche qu'un temps, un moment limité pour moi. Enfin bref, je veux même pas y penser parce que ça commence à me mettre mal à l'aise rien que de me réimaginer, me remémorer les années précédentes où j'étais en souffrance. Ça. Et les balades en forêt, oui, je suis plus frais. Ah oui, ah oui, ah oui, ça c'est rafraîchissant et c'est bon pour la santé les promenades dans la forêt. Oui. Oui, bah Ah comme chaque oui. année, vous aurez au minimum celle du plateau de Malzéville. C'est mon rituel depuis que je suis ado. Vous n'y échapperez pas. Nyeh. Il y a un arbre, il grave ses initiales à chaque fois dessus. Ouais, comme un ours. Bah, faudra que je te re-remontre. J'avais un arbre sur lequel j'aimais bien m'abriter plus jeune, sur le plateau. Allô, l'oubli. J'avais effectivement mon endroit favori qui était un havre de paix, en fait. Chaque fois que je me posais là, j'avais l'impression d'avoir une vision du paradis sur Terre. C'est ah, seul le C'est monde, bon, un paysage verdoyant, oh, c'est magnifique. je suis dans Chantal. Puis, Je suis dans puis. Chantal, je suis dans Chantal, je suis dans Chantal Lobby. Vivi.
Oui, Chris Alad dit, il me tarde déjà les prochaines balades. Oui, le pire, c'est qu'on n'a pas commenté la suite du parc de Brabois. Peut-être qu'on le fera un jour avec les chevaux, c'est dommage. Enfin, ceux qui sont malins savent que vous pouvez voir le format brut depuis 2 mois sur mon YouTube, là, à la demande. Mais oui, je sais pas comment on va s'organiser au niveau des dates cette année, ça va être dur. Ça va être dur parce que je suis, pour de multiples raisons, je suis très demandé cette année. Oh là 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 là. J'essaye, bah le oulala que tu dis, c'est que par rapport à moi, ce à quoi je me suis engagé et de ce qui, comment je m'organise pour Twitch, j'essaye au minimum de sauvegarder 2 week-ends par mois. Au strict minimum. Et ben je te prie de croire que c'est déjà tendu actuellement. Bah c'est simple, le week-end prochain je suis pas là. Je ferai que le samedi matin en Borderland et vous me verrez plus. Alors. Mais voilà. Donc l'idée de programmer une promenade avec ça en plus, faut boucler une journée complète. Je sais pas comment on va faire, mais voilà, je verrai avec Nayonet. Mais pourquoi t'annules ton coup, Nayonet? Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe là. Ah, c'est parce que tu tombais pas sur le bon flanc que tu refusais à... D'accord. Eh bien. Yeah! Voilà. Bon, même moi, je suis pas au niveau du sous du par. Mais c'est vrai qu'il est technique ce parcours-là. Ah, bah, tu vas nous rejoindre. Oui, tu testes le all-in-one. Okidoki. Si tu peux nous rejoindre, c'est coucou le mot de passe, Tunsen. Ah, puis il faut que je prenne un parcours qui rame pas sur ton ordi. Déjà des classiques. Ouais, oui, j'entends bien, je te ferai pas de parcours excentrique, d'ailleurs j'en ai pas téléchargé. Et de toute façon le mien il n'est pas fini, alors... Ah, génial. Le village. Les villages. Qui est un très bon film, hein, sinon, le village à regarder. Bonjour, mes cheveux sont secs. Oh Hein? ah, il est revenu. Il a fait un couche de sèche-cheveux rapide et hop, tac, 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 là. Voilà, exactement. Le sèche-cheveux, ouais, rapide, ouais. Très rapide. J'ai soufflé sur mes cheveux et voilà. Avec ma bouche et puis ça a séché les cheveux. Oui, Bonjour tout le oui. monde dans le chat. Bonjour Christella, bonjour Nash, bonjour ceux que je ne vois pas dans le chat. Et bonjour Smithsen et le sage. Comment ça va? Ça va, Ah, moi. la fatigue. J'ai envie de te répondre la formule de Tunsen comme un samedi. OSS J'ai trop d'odeur, 77. moi. Ouais. Hubert de Bénisseur de la Batte qui parle comme ça. Ah. Oh, j'ai un chat qui réclame des croquettes, qu'est-ce que je fais? Bah, Bah, je tu vais le lui bouffes. donner. Je vais lui donner. C'est l'heure des Tu le croquettes. manges. Maintenant, c'était 18h avant. Tu arrives ici, les croquettes? T'es l'enfer, là. Oui, là, je comprends plus, là. C'est quoi ce chat? Il en a un nouveau? Écoute, je ne comprends plus. Je croyais que Nayonet était réglé comme un coucou suisse et tous les heures à 18h, il donnait croquettes à Nayonet. J'ai un Ouais. Hachelman, là. Oh, réglé ce Ouais, matin. ouais. Alors, j'étais parti apprendre. Alors, pour répondre à la question que sûrement le singe allait poser, si je devine, Oui. je lui donne les croquettes en fonction de l'heure d'été ou de l'heure d'hiver au même moment. C'est un nouveau truc que j'ai appliqué parce qu'il venait pas réclamer les croquettes comme d'habitude. Il arrivait qu'à 7h réclamer les croquettes. Donc, je lui dis, ah tiens, bah, je vais lui donner à 7h. Et puis en hiver, je lui donne à 6h. Ouais, comme quoi notre système de... Enfin, bon, bref. Oui, non, je comprends. Je donne raison à ton chat. Oh, l'inouï! J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Non, mais tant mieux. Je te Okay. souhaite d'avoir des accidents plus souvent, là, de ce genre. Oh. Ah, du Ah, all-in-one. j'ai été éjecté du jeu et de Steam. Ah, putain. Non, sérieux? Si, sérieux.
Oh merde. Ah, la poisse. Bah oui, c'est frustrant. Ça fait 10 ans, jour pour jour, que j'ai commenté mon ordinateur portable sur Internet. Oh. Et il est toujours là. Oui, c'est bien, t'en prends soin. Donc comme c'est un Core i7, il tient. Comme c'est une carte graphique GTX et pas RTX. Mmh. Et bien, ça tient pour les jeux globalement, mais en 30 IPS, hein, voilà, ça tient. Du coup, ça retarde l'achat de mon nouvel ordinateur portable, c'est bien. Oui, j'avais oui, prévu. Oui, oui, oui. Je me souviens à l'époque, je voulais m'en acheter en bout de 5 ans. Mmh. Et finalement, il a tenu plus longtemps. Et ben, je l'ai gardé 10 ans, puis voilà. Mais c'est plus trop possible de jouer avec dans de bonnes conditions, mais ça marche quand même. Ouais. Pour le golf, ça marche. Ça fait le café. Ouais. Ah, si tu veux des jeux qui fonctionnent encore dessus, tu demanderas conseil à Tunsen. Je crois qu'il doit connaître tous les jeux qui... Est-ce que t'as un Core i7 Non, t'as pas un Core i7. J'ai pire que ça. J'ai un Intel Core Duo E6500 ou 600, je sais plus. D'accord. Donc autant dire qu'il a un Core i0,7. Et avec de la DDR2, monsieur. Ouf. Oh, la DDR2. Ouf, comme tu dis. Et je suis content, c'est le premier ordinateur portable avec lequel je dure le plus longtemps. Les autres, pouf, oh là là. Ouais, oh, c'était long. C'était court, pardon. Parce que là, chaque fois, les PC neufs, c'est soit de la DDR4 ou de la DDR5 au choix. Mais voilà. Et les cartes graphiques, c'est DDR7 maintenant. Alors, la DDR5, c'est ultra, ultra, ultra cher. Parce qu'en fait, ils ont rajouté les étages d'alimentation direct sur la RAM. C'est excessivement cher et si ça dure plein d'années, c'est tant mieux. Mais sinon... Et d'ailleurs, je tiens à spécifier que si Tunsen peut jouer en réseau avec nous, c'est parce qu'il fait usage encore d'un modem. Ça fait du bruit, là. C'est ça. Et qu'il déconne son téléphone. On n'est pas en mes appels. Un modem. Ah, je vais pas faire un modem. Et je suis limité à 1 heure. Hein. Et non, pas pour payer. Ouais. Oh, mon Dieu, c'était une époque de... Oh là là, oui, je m'en souviens maintenant. Et je parle même pas des CD de démo dans les magazines ou autres. Vous pouvez avoir de partout. Les trucs à OL, j'en passe les meilleurs. Mmh. Ouais, ouais, ouais. C'est tellement mieux là. Ah bah c'est dans l'eau, c'est bien, j'ai fait le bon choix. Hein. Gooch, dommage. Dommage. Ah, est-ce que je vais me guaquer dans l'eau? Est-ce que je vais me guaquer dans l'eau? Non, 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 pour descendre dans l'eau. Ah, je suis au bon endroit, mais bon, pas au bon non plus. Et merde, j'ai pris le plus long. Attends, je vais recommencer. J'aime bien quand je fais le tracé bien comme il faut. Ouais. Je vais aller là. Écoute, si c'est ton bon plaisir. Je vais tenter là, là c'est l'eau. Là, je vais tenter juste ici. Voilà, et voilà, c'est ce que je voulais faire. Bon, après, ça compte dans les coups, mais bon, moi j'ai fait le. En... Oh, oh, j'ai frôlé la. Oui. Pas la correctionnelle, mais. Non, c'est le contraire. En fait, j'ai frôlé la réussite. J'ai frôlé le diplôme. Aïe. J'ai frôlé le doctorat. Ah bah, c'est super. Hein. T'as vu, moi, est une scène, on n'a rien compris. Non, mais moi, c'est normal, bah, je suis parti du jeu, donc. Ah. Ah bon. Ah, c'est toi le sage, donc c'est toi et moi qui n'avons. Je croyais qu'il avait le chapeau, le sage. Pourquoi j'ai le Twinsen. Ah, et oui, fait... c'est vrai que ton truc est planté. Oui, déjà, mais je pense que t'as été perturbé parce que j'ai changé d'apparence tout à l'heure. Ça doit être ça qui te perturbe. Oui, peut-être. Je me dis, j'ai pas calculé, ouais, j'ai pas vérifié. Bon, oui, Alors, attends, il me faut la caméra. Je vais regarder dans quel trou il faut viser. Mis à jour il faut viser le trou du milieu, ok. Non, pas le trou là. Oh merde. Quand tu vois le décor, j'ai envie de te motiver et te répondre roule ma poule. Mm. Suggestion du jeu. Ah, j'ai 5 poudres de terre sur le sage. Non. Nope. Allez ma poule, pousse-toi. Mm-hmm. KFC. Plouf. Wow, joli. On a réussi. Yep. Je sais pas si c'est l'équipe vu qu'on est en compète. Attends, je vais passer à gauche, je crois. Alors, je crois qu'il... Bien, on est. Bonjour, monsieur. Coucou. Est-ce que j'ai assez d'élan? Oh ah non, j'ai pas assez d'élan, merde.
Ah, c'est des lents. Tu trouves un chevreuil. Oh non ! Un cerf. Oui, donc, tout à l'heure, tu disais le sage, oui, mais il a des problèmes de collection. Non, non, pas du tout, c'était moi qui faisais n'importe quoi. Ah, d'accord. Quand t'as dit, oh là là, il a du mal à viser, il s'est découpé par les scies. Et en fait, c'est parce que j'arrivais pas du tout à jouer. Tout simplement parce que j'étais... Oui, t'avais je calculais mal mes coups. Oui, il fallait que tu te défoules. C'était pas le PC. C'était pas le PC qui déconnait. D'accord, ok, merci pour l'info. Aïe, mince, pardon. Je suis bêtise. Ah non, mais qu'est-ce que je fais? Mais je suis bête ou quoi? Bon, attends, reset, on va recommencer. Disons que c'est très puissant. J'ai une main sèche. Attends, j'ai mis des gants. Je vais tenter comme ça. Bon, bah, il a pas vu nous absorber le. Le bidule. Recommencer, même si ça coûte un coup. Attends, je vais réessayer, j'ai envie de réessayer. Je vais le réessayer, je vais tenter comme ça. Je vais tenter comme ça. Et non, ça ne marche pas. Et, attends, j'ai pas compris comment il fallait viser le truc. Voilà, j'ai trouvé. J'ai pas trouvé, mais j'ai. Je suis vraiment au pif dans la vis infinie. Ça s'appelle comment? Une vis infinie? Non, une vis d'Archimède. Sans fin, ouais. Non, c'est une vis sans fin. Ouais. Sans finesse et sans fin et sans début. Et là, normalement, ça fait bon. Ah bah tiens, même pas all in one. Ah si. Enfin, par. Même pas par. Bon. Bravo le sage, 15 points, 14 points d'écart. 4... Oui, c'est ça. Violoche. Alors, qu'est-ce qui me fait le jeu atterri, mais je me demande si on peut faire vraiment des all-in-one quand on connaît le jeu, mais sur chaque coup, même quand il y a des coups avec des trucs tordus. Tu peux être sûr qu'il y en a qui vont speedrunner et qui te font tous les parcours en un coup. Tu peux être quasiment certain que. Bah oui, que je suis toi qui a un endroit précis à viser, etc., avec une force précise, et hop, c'est bon. Oh, mais j'ai... Bon... Ok. Tu es parti en bas de tondeuse. Attends, j'ai presque bien visé. Non, j'ai presque bon, presque bien. Attends, j'ai retenté. J'ai retenté. Et on voit pas la puissance en total, en fait. C'est vrai qu'il y a... Oh, t'es chaud. J'ai eu chaud au derrière, là. On va dire que t'as fait une figure de style. Oui, donc, pour la mousse au chocolat, je l'ai à peu près réussi. Ouais, c'est pas vous que j'en ai parlé, mais... Avec, pas la mienne, hein. Non, pas la tienne, j'ai pas encore goûté. Mais me tarde d'y goûter, bien évidemment. Oui, c'est oui. C'est bon, ça. Mais oui, il faut aller où? Ah, il faut aller là. Il faut aller dans le trou. Dans quel trou? Il y a différents trous. Ah bah, devant le poteau, super. Merde, oh, j'ai tiré trop fort. Moi, j'ai tiré à le poteau qui me dérangeait. Bon bah, bravo, le sage. Oh, pile 15 points d'écart. Bien joué. Bon, une scène, t'as réussi à relancer? Bah, je suis dans le lobby, j'attends. Ok, bah, viens. Ah, oui. On attend. Ah non, vous êtes pas parti. Bah, la partie est affichée, vas-y. Oui. Tu peux nous rejoindre maintenant. Attends, je mets le mot de passe. Le mot de passe, dis-le à haute voix, comme ça tu te tromperas pas. Non, ouais, c'est bon, bien. je sais plus. Le château, ça passait sur ton ordi ou pas comme carte? Oui, oui. J'ai toutes les cartes. Parce qu'il y a le labo, tu m'as dit que le labo ça ramait et il y en avait une autre. Les téléporteurs, ouais, ça rame, mais ça dépend des joueurs. Ah, oh, d'accord. En plus, il y a le facteur. Ok. Waouh. Mais après, tout ce qui est carte de communauté, c'est mort. D'accord. Oui, non, je conçois. Go. Si t'attends pas, tant pis. Hein. Tant pis, on va essayer. oui. Touche à rien.
sait jamais. Waiting for our players. Vous voyez comment le jeu il est puissant. Non, les balades, j'ai aussi la frustration. J'aimerais bien refaire l'initiale qu'on avait faite le long du canal là, et qu'on s'était fait enquiquiner par un chantier d'arbres abattus. Là. Ouais. Attends, je te regarde atterrir. Oui. Chantier d'arbres abattus, j'ai pas compris. Ah oui, les balades, oui. Oui. Le coup du long du canal, là, où on n'avait pas pu, j'aimerais la refaire sans. Oh non, mais c'est une blague, le truc. Oui, sans incident, mais après, on pourra pas prévoir les travaux, quoi. Mais qu'est-ce que je fais, là? Je suis pas concentré. Oui, enfin, bref, je voudrais éviter qu'il y ait tempête 15 jours avant, quoi. Oh, bah, je commence bien, je fais un coup. Sérieux? Ouais. Oh, la classe. Je sais pas si les dit moi dit, là. C'est le jeu. Oyez. Oui, c'est le compétition. Oyez. Oh, la boule, elle tremblote. Qu'est-ce que c'est tout ton bonne là? La touche E du clavier pour moi. Mmh. Moi je me suis mis une boule disco. Ni coup, Nayonette, c'est quoi? C'est un attaque encore. Quand même bien joué. Ni coup. Quand tu veux personnaliser maintenant ta balle, tu peux rajouter une animation et il faut aller dans la personnalisation de la balle. Pourquoi j'ai fait ça? Okay, j'ai loupé mon coup. 9 coups. Ah ouais, bien, tu ne sènes bien. Et un ordi pourri, mais moi j'ai un ordi qui est bien plus rapide et il gagne quand même. Ah, je comprends pas. Bon, c'est une chance insolente. On est d'accord que depuis... Mais non, mais je me fais écraser, mais c'est horrible. Je peux pas faire en un coup. Je peux faire mon disco. D'accord. Non, mais c'est vilain, ça. Ouais. C'est une crêpe. C'est ça. Pas la grande forme qu'il est aujourd'hui. Il a l'air à plat. Oh, mais non. Il a l'air à plat. Déjà. Alors, toi, t'as, comme dirait le sage Nancy, faire du trombone, c'est de la balle. Par contre, n'en fais pas tout un plat. Hein. Et je suis sûr que ce soir, il va manger des œufs sur le plat. Non. Alors, la suggestion, tu vois, j'aurais été en capacité de le faire, tu m'aurais influencé. Et une omelette, là, j'aurais pas dit non, effectivement. Mais non, j'ai pas d'œufs frais, là. Oui, non, c'est juste... boulière, non, je du jambon, de l'ardon. Salade taboulée ce soir, ça m'ira très bien. Oh, taboulé, c'est génial ça. Je vais en faire un bientôt. Ah, ce sera l'été. Le vrai taboulé avec de la menthe, monsieur Twinsen, de la menthe. Le taboulé des balades. Oui, celui où j'avais gagaté là. J'ai pas le faire en un coup. Ouais, c'était beau. Ouais, c'était beau. La fois que je me loupe, je me mets le truc. Moi, si oh, réussis... c'est quoi ce truc? Oh, on a fait un in-one, là. Disco. C'est con. Oh, mon Dieu. 27 coups. Il va arrêter de passer au point, là. Harcèlement. Oula. Ah oui, non, c'est vrai, il faut s'éjecter. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, je crois qu'il y a moyen de faire un truc dans ce genre-là. Je peux pas faire le Tadoum. J'ai pas encore le son. Fais la tabouche. Tadoum. J'ai fait en un coup? Non. Oui, je voulais pas faire ça. Coup, ouais. Ah oui, tu l'as fait en un coup. J'ai dit je l'ai fait en un coup, mais c'est faux, j'ai fait en deux coups. J'ai loupé mon coup. Pourquoi? J'ai bien analysé le parcours et hop. Oui, parce que tu fais un petit coup de touche C au démarrage. Alors, ce qui serait marrant, le sache, c'est ça de prévoir une petite session, de même si c'est galère de comment préparer les touches, mais de faire en multi un petit Interface 76 pour ceux qui seraient intéressés. Je lance l'info comme ça. Alors,
Je vais me répéter par rapport à ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ah oui, ok, vas-y. Techniquement, l'Interscope, que ce soit le 76 ou le 82, ne fonctionne pas sous Windows 10. Ah, bah moi j'ai réussi. Ah bon? Ah, oui. Oui, bah oui, ça marche chez moi. T'as quelle version de Windows 10, 11? Windows 11 Pro. Ah d'accord, parce que moi sous le 10, il veut pas. Alors que sous Vista, ça fonctionne pour moi. Alors, il y a des histoires de compatibilité, de machin, d'exécutable, et j'ai la version GOG, et toi t'as la version quoi? J'ai la version originale, je l'avais en CD moi. Alors le CD ça marche pas effectivement, mais la version GOG elle marche un peu mieux. Ah, bah faudra peut-être que j'achète sous GOG, tu me donnes une info intéressante. Non. Sur Windows 10 et machin ça marche, oui non mais il y a toujours moyen de moyenner. Oui, non, mais tu me donnes une info que j'avais pas. C'est juste, comme je l'ai dit, je répétais comme je l'avais dit, mais je vais, il faut, le truc c'est que c'est le, non pas la lame, ouh, oh, je suis bien calé, le truc c'est qu'au niveau des commandes, il faut prendre du temps de configurer les commandes, et c'est du liste par liste à la touche de la souris, tu les configures une par une, et dans une liste, et c'est pas, la liste elle est chiante à faire défiler, il faut y aller en cliquant, et puis les noms c'est marqué gris pour les touches fléchées, c'est marqué en anglais, par haut, pour ça correspond pas... aux flèches, ça correspond aux flèches du pavé numérique, enfin c'est compliqué. Oui, c'est fastidieux. Mais après, une fois que c'est réglé, c'est bon, ça marche, c'est assez simple. J'ai réussi même à jouer à la manette, c'est possible. Okay. Je sais plus comment je l'avais fait il y a longtemps. Oh là là. Mais... Ouh, une stertête à la manette, j'ai du mal à m'imaginer. Ouais, non, tu me dis, non, ouais, en dessus. Si, ça doit être dur, parce que il faut que tu pilotes ton bolide et que tu arrives à diriger le tir. Quand t'as sur le toit, par exemple, une Gatling rotative, faut que t'as... Ah, putain, mon cerveau, il bug, là. Si j'ai l'hémisphère droit pour la conduite et l'hémisphère gauche pour viser en même temps, je... La rotative, tu peux tout à fait la mettre en automatique. Oui, j'espère. Parce que là, franchement, ça me demanderait... Parce que les rotatives... Mais voilà, ça peut être un test de session intéressante, mais... C'est un temps de programmation et un temps de faire fonctionner le jeu. Après, c'est toi aussi. Toi, si t'aimes bien, voilà, si t'as envie de faire ça, c'était juste une idée que je proposais, hein, parce que j'ai déjà testé en multijoueur, c'est sympathique, mais j'avais testé qu'à deux. Et ben, je valide. Je savais pas que la version GOG avait été optimisée, tu vois, tu m'apprends une info que je n'avais pas, Nayane, donc je te remercie. Tu vois, je repars enthousiaste et tu seras peut-être exaucé sous peu. Voilà, sous peu, c'est-à-dire dans une minute, le visage qui commence à paniquer, à stresser. Merde, tiens, je suis allé dans le bassin comme un igo, moi. 150 euros. Non, une Interstate. En plus, je crois que je l'ai vu il n'y a pas longtemps en réduction. Et, oui, non, 3, il doit coûter 5. Il doit coûter 5 balles. Et oui, c'est un vieux jeu, une scène. C'est un vieux jeu. Le 72 aussi, avec de la Amazing Cranky. Le 82, il ne marche pas sur mon PC. Enfin, je peux lancer le jeu, mais dès que je lance une partie, sur Windows 6 ou Windows 11, si vous avez la solution, ça m'intéresserait. Mais dès que je lance une partie, hop, ça plante. Ouais, bon, on verra. Ça retourne sur Windows. Et moi, vous faire en direct le solo, la carrière d'un Interstate, je serais pour. Ah oui, c'est cool. Ah ouais, j'adorerais vous le faire. En plus, c'est drôle, il y a de l'humour. Donc, il y a trop de jeux à faire. Oui, je sais, mais là, je serais motivé pour le faire urgemment, si je puis dire. Parce que Interstate, je sais que j'ai un potentiel de rigolade énorme. J'aimerais beaucoup. Ah là 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 là. Pourquoi t'es au brun? Aplati les trucs, c'est des trucs aplatis. Oh non, mais merde! Voilà, moi aussi. Bon, je vais le faire en deux fois. Et en plus, il n'y en a pas qu'un. Hein. Ouais. Il y a la deuxième servie. En fait, c'est comme ça qu'il faut y aller. Non, merde, non! Ah, mais t'as aussi un troll. T'as aussi un. Non, t'as un arlequin. Arlequin. Non, moi c'est. Oui, non. Je suis un poule plouillé. Je suis dans le côté. Oui, je vois que t'as envie de te battre et en découdre avec les poules. Ou les lames. Ça y est, mon tic me revient. Je ne peux pas m'empêcher de caresser ma propre barbe. Mon dieu. Un pic de trop pour que je la caresse. Je me suis mal aux mains. Demande à ton chat. Le chacha. Oh merde, je suis planté, j'étais en train de penser à autre chose.
Le chat, je viens juste de passer, là, il est juste à mes pieds. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a, Réglisse ? Il va débrancher un fil. Pas de chabotage, pas pendant le mini-golf. Il va débrancher le fil internet. Mmh. Oh, mais il est bien accroché au mur, il est fixé au mur le matin. Avec le petit lingot. Ah bah, cette sortie de terrain. C'est nul. Nul. Oh, Eagle. Je sais pas ce que c'est Eagle, j'ai jamais su. C'est Aigle, mais je sais pas ce que ça signifie. C'est... Oh, le... Oh, Twinsen. Alors, en fait, je crois savoir que le golf, le nom des coups, c'est par rapport à tout ce qui est référence à un vol d'oiseau. Aller du point A au point B... Et si possible, sous-entendu en lobant la classe absolue au golf, en lobant les obstacles. Et donc le top du top, c'est l'Albatros. C'est vraiment le vol. Bon, après le all-in-one, le coup en une seule fois. Ensuite, t'as le parce que tu viens de dire là, le eagle. Ensuite, t'as le birdie, donc façon oiseau, piaf, mésange. Là. Et après les parts, je sais pas à quoi ça fait référence, mais le part en fait c'est ce qu'il faut faire. Et le bien plus loin. Ouais, et puis quand t'as des malus, c'est. Pas de bonus. D'ailleurs, part ça fait peut-être référence à parrot. Parrot qui est le perroquet en anglais. Ouais, perruche. Ah, c'est le dernier coup qu'on fait. On vole. Ouais, non, mais la réponse de Wisebot est incomplète. Il s'est pas joué au golf, hein, Wisebot, il est nul. Oui. Il n'aime pas les trous. Ouais, ou alors les trous, il les a dans sa base de données, là, parce que les réponses sont incomplètes. Hein. Et la réponse, elle est sommaire de la part de. Tu vas pas. Oh yeah. Bon, moi je suis pas dernier, c'est bien. Je me demande si c'est pas ma meilleure performance sur ce tracé. Ah, je suis pas un peu fier de ce que j'ai réalisé là, c'est... Wouh. Ah, attends... Corotin avait dit qu'il nous rejoignait s'il avait envie, s'il pouvait. Bah oui, Corotin, il faut l'appeler. Avec nous, Corotin, viens avec nous. Après, s'il est en forme, hein, évidemment, si t'es en forme, Torota, tu peux nous rejoindre. C'est sa condition principale, Torota. Voilà. Après, un jeu de golf, ça donne pas des capacités de dingue, hein, non plus. Hein. Ouais, il faut de la concentration, quand même. Si t'as mal au bide, voilà. Oui, c'est pas grave. Tu vois, tu la tabon, c'est pas grave. Même jouer au Scrabble, hein, quand t'as mal au bide, tu peux pas, quoi. Peut-on te nommer les trous au golf? Oui, donc Torota, es-tu intéressé pour nous rejoindre ou pas? Nous allons commencer un nouveau parcours, si tout tu le souhaites. Ça, ouais. Ah non, il y en a plein de noms de termes pour le golfeur. Il y a le ace, l'airshot, l'abatros, l'all square, backspin, balle de golf, le birdie, le bois, le bunker, le caddie, le calamity jane, le carry, le chip, le club de golf, le divo, le 19e trou. Dogleg, driver, dropper, eagle, il y a plein, hein. Escalope, étiquette, fairway, ficelle. Ok, il préfère être tranquille, hein, fatigué. Ouais, ok, trop tard. Je conçois, il n'y a pas de soucis, trop tard. Hook, après, c'est un hook. C'est un effet de balle, par exemple. D'accord. Ah non, tu me l'apprends. Parce qu'après, il y a plein de termes, hein. Oh là là. Effectivement, il y a une terminologie bien riche. Ah bah oui. Ah bah ouais, on m'attend là. Bah faut décoller vite. Voilà. Toujours faire vite. Non, faut pas faire vite, faut pas faire de la précipitation. Oh, il y a une bille qui est sortie là. Ouais, il y a un décalage parfois dans l'animation. Voilà. Il y a même le net comme le net. Mais c'est quoi ce coup de all-in-one là? Oh, bah, mais je suis vraiment gâté moi, dis donc. Ah bah c'est quoi cette arnaque là? Bah ça s'appelle deux coups. C'était bien mis dans le truc, hein. Merde, moi j'ai pas fait trop fort, j'ai fait trop mal. Ils en ont bavé pour modéliser ce parcours, mais il a le mérite d'être vachement technique. Plouf.
Ah merde, j'ai refait trop fort. J'arrive pas à estimer le. Sarcastique, ce. Du coup, de. Je prends. Je prends bonne. Ah, bien, petite musique. Ouais, disco, elle est rigolo. Du coup. Ah bah, nana, je pourris. Non, le rebond de trop. Oh, ah, putain, ça rate mieux. Le rebond de trop, ah non, c'est bien. Oh, j'ai tapé trop fort. Ça s'aime pas du tout la confusion, mon dieu. Mais ça fait vraiment. C'est mal adapté. Où est-ce que vous partez là? Attendez, je vais regarder. Ah oui, c'est là. Ah oui, il y a une petite fusée à prendre. C'est ça. Et où est-ce que tu es? Un petit bac. Ah, oui. Joli loupé. J'ai entendu un truc. Il va me prendre le bac. Ah, puis en plus, il change encore en plus le bac. Bon. Tiens, les deux arlequins ensemble, là. Il y en a un qui est en train j'ai de partir. Collègue. J'ai un collègue jumeau avec moi, là. Un collègue arlequin. D'ailleurs, il y en a un qui est derrière. Alors, est-ce que je vais faire un... Oh non, j'ai tapé trop fort. C'est dommage. La physique du jeu. Hop là, j'ai foutu le camp. Birdie. It's a birdie. Non. J'ai raison. J'ai raison des suivants. Attends, je vais calculer où il faut aller. Ah, il faut passer entre les deux, ok. Ah, le coup peut être faisable, hein, mais c'est compliqué. Je vais retenter. Je vais retenter le coup. Mm-hmm. Un petit peu. Non, ça marche pas. Je vais taper plus fort. Ah, oh. Presque. Je tentais comme ça, c'est un peu moins fort. Oh non, j'ai retenté. Alors, il y a pas là. Oui. Le birdie correspond à un trou joué un coup en dessous du par. 3 coups sur un par 4 par exemple. Plus simple à réaliser qu'un eagle ou qu'un albatros, il n'est pas rare de voir les joueurs amateurs réussir un ou plusieurs birdies dans une partie. Mmh. Nom d'une pipe en bois. Ouch. Encore celui-là. Non, cette fois-ci, c'est arrondi. Oui, c'est curé. Ouais, c'est un curé. Je peux aller par là. Ma trajectoire, elle est pas cool. Alors, je limite la casse, mais c'est pas cool. Oh, oh, regardez. Regardez quoi? Regardez où je suis. Regardez où j'en suis. Oh, 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 oh. C'est muche. Il y en a qui s'énerve là, d'après un grand coup. Frustration. Double bogey. Pourquoi je suis dernier? Pas dernier, mais je sais pas. Oh le sage, au revoir. Il est tombé. C'est moche. Oui, bloc, là. C'est moche. Ah. C'est moi qui suis tombé là. Ah, oui, j'allais dire finalement, je suis pas. Ah bah t'as loupé le train. Ouais, mais en même temps, je... sur le fil, hein. Tu sécurises, ou tu... t'es sur le cachou, ou je sais plus comment on dit. Ou tu es fou, ou sur le fil. Oh, je suis fou. Oui! Hein? Ça compte ou ça? Si, ça compte. Oui, j'ai réussi. J'ai eu un doute. Oh, c'est un vol. Oh, les poules de feu, je les avais oubliées celles-là. Goops. Birdie. Diggy Goops. Le sage qui s'envole. Oh, le sage qui s'envole. Ah, c'est toi? Bah, moi je suis arrivé, je vais même pas regarder. Le sage qui plane. C'est... On peut le dire, oui. Parce que là, ça va faire un all-in-one. Oui, ça va faire un all-in-one. Enfin, un all-in-one, non. Mais, ouais. Ouais. Dans 3 coups, ouais.
Oh là là, des poules de feu. Des poules de feu. Vivi. Ouh, de justesse. Elles veulent se venger de KFC. Oui, Gingos, oui. Ouf. On a quand même des scores un peu serrés là. C'est quoi ouais, ce chiol? Ouais, la compète, elle est bien entre nous, la compète. Oui. Mmh. Alors c'est vrai que les fioles n'aident en rien. Mais c'est la difficulté qui veut ça. Oh là là, je suis bien mal placé. Ouch. J'ai pas réussi mon coup. Je voulais faire un truc, mais j'ai pas calculé. Oui, il est fini, ton bonne là. C'est fait exprès. Oh là, on va se calmer les feux là. Ah, j'ai des trucs forts. Quand est-ce que ça fait 3 d'un coup? Oh, je suis passé. Quand t'as brûlé. Oh non, je suis pas passé. Jordi. Je crois que j'ai pas réussi. Oh, je vais trop fort, trop fort. Je crois que c'est trop tout cuit. C'est du touche. Ah, c'est en face qu'il faut aller. Ah, c'est en face qu'il faut aller. Ok, j'allais sur la gauche, moi, c'est pour ça que je pouvais pas passer. Mais non, il faut trouver le bâton vert. Bien lire le parcours avant de se lancer. Oui, j'ai pas lu. Là, j'ai raté. J'ai fait l'andouille. Oui, d'ailleurs, moi-même aussi, j'ai. Parce que là, on va tomber. On va pas tomber. Une deuxième à passer. Oh non, j'ai pas mis assez de plus. Il me faut plus de puissance. J'ai mangé de la puissance. Et du coup, t'es devenu puissant. Oh non, mais c'est cette blague. Ça a tapé contre le truc. Psycho est un habitué des jeux de golf. De boule. Et de pouce. Oui, c'est pas faux. Je vais griller la tête là, c'est quoi l'arnaque là? Et tu pètes le feu, tu une scène. Je me suis fait griller la tête, je me suis fait griller la tête. Dude. Ah, tu parlais trop fort, sinon tu laisses me brûler. Eh, je suis midi derrière. Ah non, encore les poufoles. Non, je vais refaire du. Oh, bah. Tu as fricassé, moi, le bâton. La deuxième mazette. Oh, je me fais griller. Ah oui, on peut pas atteindre le bout. Ok. Ouais, je suis tombé sous le mécanisme des poules. Oui, j'ai vu quelque chose de bizarre quand la caméra s'est braquée sur toi. Ouais, moi aussi. Je viens de te rejoindre. Aïe. Mais bon, c'est moi. Y a pas un autre... Je vais mettre un autre son parce que le truc de la défaite, c'est pas fou. Vous donnerez un tadou. Non, bah non, les sons sont limités, mais. Oui, tu vas le rendre fou pour faire une scène à force de jouer ton jeu. Ouais, je vais arrêter. Promis, j'arrête. Je sais plus. Bah, vite. D'ailleurs. Ouais. Ah, par contre, tu le fais, toi. Ok. Oh putain, t'as oublié. Ah oui, mais c'était sa version à lui. Moins. Bien de l'idée. Hein, oh, c'est... la reine de la. C'est la reine de la poule. Ouais. La reine des poules. Oh, l'in one. Ouais. Oh, joli. Et la reine de la. Oh putain, ouais, il faut une idée quand il y a un tableau. Il est plus difficile qu'il n'y paraît. Ah, le tableau qui est fermé, ça marche pas. Tu m'étonnes. Ouh, je crois qu'on pourra. Je suis mal placé. Non, je suis mal placé, moi aussi. Eh ben, j'ai eu du bol, parce que je m'attendais à chier dans le décor, moi. Comme la coupe au bol. Non, j'ai loupé mon coup, j'ai mis un coup de puissance trop mou. Trop mou. Ah bah, timoré. Oui, faut pas être mou, hein. Trop timoré. Faut pas être mou pour être mou, hein. Trop timoré. On a fait à 2 points de Twinsen. On est loin derrière. Hein. Voilà, ah bah d'accord. Bah il faut pas bouger.
Ah. C'est le dragon Sky, il nous emmène. C'est ça. Dragon du ciel. On peut bouger la caméra? Ouais. On peut bouger la caméra, mais pas trop, en fait. Non, moi, j'ai dézoomé parce que c'est beau. Bon, là, il y a un effet un peu épileptique avec l'aile de dragon, mais... Ouais, quand vous avez vu sur caméra, ça marche pas. Moi, j'ai un bas de clipping, hein. Ça peut tourner. On va tomber. Non, on tombe pas. J'ai en version, non, même pas. Il aurait dû tomber. C'est qui fait le discours? C'est moi qui fais le discours, mais là, c'était irrésistible. Bon, après, le discours, c'est bien, mais la défaite tout le temps, c'est moins drôle. C'est qui, Grande Reine Rose? C'est toi, le sage? Oui, la traînée rouge, c'est... Ouais, c'est moi. Alors, on va pas faire All-in-One, on va faire comme tout comme. Joli. Oh, c'était beau. On a réussi. Yeah, bien. Voilà, on a réussi. Bon, je vais faire un dernier parcours et ensuite je vais arrêter là. Oh, je crois qu'il est relis. On va essayer de l'Égypte. Attends, je vais faire un truc avant que tu démarres. Ouais, fais. Bah, ça laisse le temps à Tunisienne de télécharger la carte qui est incluse dans le jeu, hein, je précise, c'est pas une de la communauté. C'est celle qui est arrivée avec la mise à jour du jeu, donc autant que t'en profites, Tunisienne. Ah, quand elle est pas, on verra bien. Alors, il n'y a pas de téléporteur dans celle-là. Par contre, il y a une subtilité à l'Egypte. Une à savoir, il y a des portes, des sas à ouvrir. Pour les ouvrir, il faut que tu frappes un ou plusieurs monolithes égyptiens. C'est des interrupteurs. Comme les trucs d'espace, là. Je sais pas quoi, là. Il y avait des cubes comme ça à faire, là. Alors, j'ai pas ta référence, mais... Il y avait des cartes comme ça, là, que j'avais déjà fait avec des trucs, des boutons, et puis ça ouvrait des sortes de grosses portes, enfin, de portails de couleurs. Je suis prêt. D'accord. Ah, oui, l'Égypte, elle va être... Dans une sorte de ville. Oui, non, c'est une autre carte, ça. Oui, c'est la Cyberpunk, je crois, que t'es en train de nommer. Ouais, comme ça, ouais. Il y a des trucs, exact. Même principe, je pense. Non, je connais plus, j'ai fait une fois avec EJ, mais je me souviens plus du truc. C'est des serpents. Yep. Alors, je vais passer par la gauche. Oui, puis ils sont vicieux, les serpents, parce que quand tu fais rebondir ta balle sur... Oui, non, ce que je viens de faire est profondément débile. J'ai fait le parfait contre-exemple. Ah, puis en plus, il y a une queue en plus, hein. Oui, et puis elle se mouille. Il est trop fort. Il faut deviner quand tu peux y aller. Voilà, là, j'ai merdé. Donc, c'est écrit en égyptien. C'est écrit en égyptien en plus. C'est nul. Si, oui, c'est la totale, oui. Ouf. Égyptien ou ça? Et là, bah, quand tu mets un bout dans le trou, c'est écrit en égyptien. Bah non. Mais il m'a rien dit. Parce que t'as fait un score de merde. Parle mal. Bon bah d'accord, attends. Chachéli. C'est quoi qui tombe là? Bah c'est pour remplacer la trompette de merde, comme tu dis. Ah, oh, je suis dans le chat, merde. Ah oui, moi aussi. Il est dur ce parcours. Ouais, bah pour remplacer la trompette de merde, là tu vas avoir droit à tout ce qui est en lien avec l'Egypte, donc on va avoir Dalida. Il est d'avoir des ouïtas. Oh, c'est des chats! C'est des chats, il est déréglé derrière. C'est ça. Je suis perdu. Parole. Combien j'ai mis de coups? Oh la vache! C'est dur ce parcours! Je crois qu'on peut casser les bols. C'est ouais. Ça. Il faut attendre que les débris s'en aillent. Ah bon? J'ai rien cassé du tout là. Oh, j'ai reçu un débris, du coup j'ai été arrêté. Oui, ça influence, c'est ça qui est moche. Ouais, faut attendre que tout soit brisé. C'est ça. C'est pour ça quand on connaît le jeu, on dit ah vas-y, passe, je t'en prie, passe. C'est qui fait l'erreur? C'était moi qui brisais toutes les urnes là. Toutes les jarres. Les urnes à urine.
Oui, c'est écrit en égyptien. Pardon. Ça ne va pas. C'est pour des pissotières. Il est fou. Allez-vous là. J'avais jamais vu le petit chat miniaturisé sur la tranche de la... Oh, c'est trop bien. Il faut aller. Faut aller en... à l'ouest. Oui. J'adore. Stylé. Il est trop bien, ce chat. Je l'avais même pas vu les premières fois. Oui, il faut aller en contrebas de la pyramide. Par là. J'ai trouvé. Ouch. J'ai trouvé. Oh non, mais trop de puissance. Oh, je crois que j'étais félicité en... En billet. En égyptien, oui. Oh, Saul Goodman, bonsoir. Bonsoir, Saul Goodman. Victoire. Oula, je pouvais... Une anecdote sur la Suisse. Savais-tu que le couteau suisse a été inventé par Kels Eisner en 1897? Oh. Ah non, c'est MacGyver qui l'a inventé. MacGyver... C'est Jardine Anderson. Ouais. Bah c'est marrant, Jardine Anderson, j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça une interview de lui. Ça m'a l'air France, vraiment d'être un mec bien. Il était en France il n'y a pas longtemps, hein. Je peux trouver oui. Dans les conventions là. Mon cousin qui aime bien les conventions, il m'avait dit ça faisait deux fois alors, ou un an d'intervalle qu'il revenait en France. J'active le pilier droite et j'active le pilier gauche et on me laisse une scène passer. Hop. Chiche. Voilà, c'est bon. Faut ce qu'il faut faire, hein, allez-y. Merde, j'ai loupé, oh le con. Bon bah une scène, vas-y. Attends, je vais l'activer sur. Elle n'a même pas fait de Running One. Oh la honte. On lui a mis la pression. Et pas chalqué dans le verre. On lui ouvre la route et puis bim, qu'est-ce qu'il fait? Il loupe sur Running One. Ah bah c'est trop de pression, hein. Oula, qu'il faut là. Là il faut passer dans le trou. Fallait de la pyramide. Enfin, je sais pas si c'est une pyramide d'ailleurs. Pas sûr. Tout n'est pas pyramidal en Égypte. Et moi, je m'occupe. J'ai pas de bol. Ça s'est joué à pas grand chose. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est nul ce niveau là. On redescend à chaque fois là. Aïe. Ah oui, on redescend. Ouais, en effet, on redescend. Mais non, je à côté. Mais je vais vous rejoindre. Ah ouf. Eh, pas mal la texture marbre. Moi aussi, voilà, c'est j'ai réussi. Catastrophe, hein. Soyez rassurés, je joue très très mal là. Ouais, j'ai réussi. J'ai tombé les pistons. C'est pas moi, hein. Moi je tombe de la pente. Mise sur le côté en fait, va pas tout droit. Oui, parce qu'il y a une butée sur le côté. Donc ça il va sur les côtés. Ouais. Moi j'ai eu le bol de me faire dévier par le trou parce que je l'ai percuté violemment, donc du coup ça m'a mis sur les butées. C'est ce qui m'a sauvé. Sur les côtés, mais. Ah, oh, mais qu'est-ce que t'as fait sur le côté? Ça marche là? Qu'est-ce que c'est trop sur le côté? On commence depuis le début. Je sais pas, il essaye. Non, je vois pas ma puissance. Voilà, là t'as réussi, il y a une butée. Bien. Persévérance, persévérance. Après, ça compte le coup, hein. Voilà. Ah, des vagues. Alors, les trucs piliers, je vais activer le pilier qui est là-bas. Faut activer les piliers déjà. Hop, pilier activé, voilà. Ouche. Fait qu'il m'a bousculé. Ça c'est... fait un rayon de la de ses morts. Oui, qui a brisé les urnes et c'est un morceau d'urne qui t'a bousculé en fait. C'est ça qui s'est passé. C'est ça ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Yep. Comme Monk. Maison du chaos ou maison de la frousse. J'ai activé le pilier à droite. Je sais plus. Je crois que j'ai fait la peur et j'ai pas fait le chaos. Je vais essayer le chaos si j'ai pas de bêtises. En fait, on passe par où ensuite? Ah, il y a une histoire de. Jack, vous avez activé les piliers, c'est bon? Oh, mais il est fou! C'est quoi ces bases merdiques là? Faut pas toucher les bases. Non, ou alors faut les péter par avance. Je vais péter le. Attendez, je vais péter le. J'arrive pas à passer à côté des serpents. Oh, la galère! Attends, non seulement le fluide doit se barrer, mais les débris des jarres doivent se disparaître. Non, aussi. Mais j'arrive pas du tout! Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Oh la vache, il est vraiment dur, les serpents ils sont vraiment immondes. Ah ouais, c'est la rage, les serpents cobras là. C'est eux qui écrasent du venin là. Mais j'arrive pas du tout, je suis ressorti. Oh la vache. J'étais. Oh
Ouais, je vais perdre bêtement parce que j'ai choisi la mauvaise maison. Visage. Je sais pas ce que j'ai fait, moi. Le pire, c'est que je me suis rincé la tronche tout à l'heure. Attendez. Quel est ton jeu vidéo préféré? Mon jeu, c'est comme demander à un chat de choisir sa litière, trop de choix. Oh, bien, Mario et Sonic. Ah, c'est rigolo. Ah, c'est excellent, non, la manière dont tu as... J'ai réussi, ça y est. Ah, sur niche. Saul Goodman, ton... Non, mais là, je... ...de Mario qui semble poursuivi par Sonic. Cette blague, cette blague. Oui, on te voit, Nayonet, oui. On voit ce qui t'a... J'ai réussi. Cette blague gigantesque. Je me demande d'ailleurs, c'est pas toi qui m'avais donné le lien de la vidéo YouTube Twinsen. Non, mais... Merci. Il y a Shippuki qui a un fan de Sonic qui a analysé, et je sais plus, il a fait un calcul au niveau de l'animation. Il en est arrivé à la conclusion que finalement, on a l'ivresse qu'on joue à Sonic d'aller super vite, mais avec le recul, le hérisson va pas si vite que ça. Il fait du genre du 30 km/h en traçant à fond, et que dans certaines circonstances, Mario, lui, par contre, va plus vite. Ce qui est le monde à l'envers. Mais bon. J'ai réussi. Oh! Oh la vache, la propulsion! Ouais. 65 coups, la vache. Lui, hein, 65 ans. Le disco du freak. Le freak, c'est chic. Oui, ah, le vase, il y avait du liquide dedans. Oui, on dirait du... Je sais pas, on dirait un liquide radioactif, là. Attends, j'attends que ton truc disparaisse parce que... Ah, c'est peut-être de la glu, je crois que ça nous ralentit. Oh non, pas tellement, je crois pas que ça nous ralentisse. C'est juste décoratif, je crois. On reste dans le doute. Oh là là, les débris, c'est terrible, on voit plus rien. Par contre, la texture choisie, elle est sympa pour les... Moi, je dis que les développeurs ont bon goût. Ah, allez, un petit peu de vase. Ah, c'est gluant, ça m'est tombé dessus. Mon dieu, ma balle devient folle dans la substance verte. Si, si, ça influence, hein, clairement. Ça influence beaucoup. Mais du coup, je dois attendre que le... Voilà. Que ça se résorbe. Merde, je pensais pas. Merde. Ça... J'ai dans le noir. C'était quoi le noir? C'est de la... Ouais. Du gluant. On dirait du pétrole. Moi, je pensais ou de l'encre. Je pensais passer par dessus et lober là, mais non. J'ai eu un succès. Ouais, j'ai fraqué. Ah non, oh bien. J'ai cramé. Oui. Tu es vu revenir vers moi. Non, mais j'ai cramé encore. Ah, mais. Je suis sous l'influence de la substance noire, que signifie? Ouais, ça nous reste aux pattes, ça nous reste aux pattes. Oh merde! Mais c'est horrible! C'est... Ah bah oui, c'est horrible! Ça avait vraiment quelque chose, le truc? Oui. J'ai pas l'impression. Oui, c'est... non, c'est un vrai malus, il faut vraiment se méfier des liquides. Le noir est le plus terrible, hein, parce que lui, il disparaît pas. Tu le... Je vais à gauche. L'arrivée. Bon, ok, je vais à... Heureusement qu'on a dit que j'allais à gauche. Oui, bah au moment où tu as dit où t'allais, moi j'avais lancé mon coup, je suis désolé. Moi j'y vais. Parce que du coup c'est pour moi, vous devez ouvrir la route, messieurs. Tu m'étonnes. Merde, j'ai fait trop fort. Égypte. Ça fait penser à... Ça fait penser à Stargate et même voir justement le film Dune. Le 2 qui est sorti. Non, au jeu, comment ça s'appelle Sérieux Sam. Ah oui, Sérieux Sam. Mmh. Oui, 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 c'est... oui, ça fait penser au moteur 3D, à l'ambiance de Sérieux Sam. J'avais effectivement moi-même fait la remarque là, exact. Je valide. Ouais, je vois pas. Ouais, je vois pas. Vrai, ah, tu changes la caméra. Oula. Ça va être compliqué là. Oui, il y a des noix de coco en plus qui dégringolent, ok. C'est... Je vais casser le truc, vas-y. Oh non. Oh, bah, on est tous imbibés. Ah bah voilà. Il se barre le truc noir ou pour passer dedans? Non, je serais toi, j'attendrais. C'est une scène. Oui, ça ralentit un petit peu. Il y a quand même du temps. Ça ralentit beaucoup, oui. Ralentit, ouais. Okay. Les slims. Mais les.
Ah bah ça m'a sauté une autre coco là, tu vois le coup. Mais ça ralentit, ouais. Mais le truc vert, ça ralentit pas en fait. C'est un autre, effet, je sais pas ce que ça fait le vert. Est-ce que c'est de la glu, est-ce que c'est de l'acide, je sais pas. Rebondissant. Peut-être, ouais, gluant, enfin, comment on dit, gélatineux, ouais. Elle pop de... Ah, elle pop des palmiers, les noix de coco. Les cocotiers. Je dis merde, non, c'est l'inverse, c'est des palmiers qui génèrent des noix de coco. Parce que là, t'as dit, c'est des noix de coco qui génèrent des palmiers. Enfin, bref, oui, je me suis planté, pardon. Mais c'était troublant. Oui. Attends, on est reparti pour un nouveau tour. Ah non, c'est une scène qui avait du mal à finir son coup. Oh là ! Alors là, ça va être chaud. C'est quoi le bleu ? C'est quoi le bleu ? Voilà. Je suis tombé dans le Nil ! Plouf ! Oh là, ça va être dur. Ah, c'est glissant, le bleu. Ça glisse, c'est de la glace. Ah, c'est de la glace, mon Dieu, quelle horreur. Effectivement. Ça jette un froid. Je vais me mettre ici. Je vais devoir ajuster longtemps. Oh, on aurait dû attendre. Oh, ça va être chiant. Oh, ça glisse. Faut aller où ? Faut aller sur la petite là, le drapeau, là. On le voit. Ah, alors, si vous voulez vous débarrasser de la glace, il faut reset. Bah, moi, j'étais dans la glace, mais comme je me suis mis dans le Nil, tout a fondu. Voilà, finalement, tomber dans le Nil, ça devrait être libéré de la glace, si je dis pas de bêtises. Je vais réussir. Il est difficile de parcours, mais il est faisable. Ouais, c'est bon. Les biftons. J'ai un chevreau. Ça rentre vachement chez moi. Arrête de faire ton animation. Oui, pardon. Ouais, parce que du coup, ça rame pour. Voilà. Ah, d'accord, ok, j'ai pas compris. Ouais, comme ça rame pour lui, si. Voilà. C'est vrai que les billets, ça demande de la puissance du calcul. Merci, Nayone. Ça va lui faciliter la tâche. Ok. Ah, oh, bah, j'ai plus l'imote alors. C'est bon. L'imote 3 mètres, ouais, elle agace. L'imote. L'imote vie, elle fait ralentir. Oh là là, c'est pas drôle. Je plaisante, évidemment. Je suis où, là ? Je suis dans le cul du chat, là, c'est bien. Bah, c'est bon, en plus, tu es dans le cul du chat. Non, je te crois. Voilà. Mais... La sortie du tuyau, je l'ai loupé. Oui, t'as été bourrin, là, ouais. Ça paie pas. Ah oui, effectivement, là où t'as... T'es... Oui, t'es au chaud, là. C'est... Alors, pour se ressortir du truc, tu as la fonction R. Je crois que ça touche R. Tu peux recommencer depuis le début. Réinitialiser. Ouais, j'ai pas envie de recommencer depuis le début, là, je peux sortir. Allez, c'est quoi le truc sur la tronche de la sortie de tuyau. Oh, mais c'est nul, là. Ouais, ah oui, ça... Il y a des problèmes de saccade. Alors, les trucs à activer, où est-ce qu'ils sont? Ouais, bonne question. Planqué, à mon avis. Ouais. Quand on tape, ça... Je cherche. Hein. Et ils sont sur le côté, ouais. Ouais, exact. Parce qu'il y a des miroirs. Si on veut. Alors, je vais activer le truc de droite. Je vois l'autre. Je vais activer l'autre. Oh, mais non, mais pourquoi vous l'avez activé? Excuse-moi, parce que je l'avais apporté. Alors, attends. Du coup, faut aller là-bas. Faut aller direct au trou. Ouais. Et Twinsan, il a attendu gentiment. Et... Ah bah, stratégie. Wouh! Vous voulez me sacrifier, mais bon. C'est... Alors, il faut activer. Quelque celui-là chose. Ok, bah, je vais laisser activer. Par où je passe? Ou alors comme ça? Ah, mais... Oh bah, juste sur le coin. Dommage, ouais. Dommage. Il a fait le pilier. Ça fait quoi? Il t'indique là où il faut aller. Alors, je crois que c'est par là-bas, si j'ai bien vu. Mais non, de blague. Normalement, c'est ça. Quoi?
C'est le... Je crois que c'est le truc du milieu central où il faut aller. Il y a tellement de débris que... C'est qui le débris ce sont... C'est moi qui fais le disco. Tu veux un guide? C'est ça, guide sonore. Mais mon quoi? Attends, du coup, j'ai la caméra braquée sur... Ah oui, d'accord, non, c'est pas bon, c'est le truc du... Le truc central, je crois que c'était le truc du fond qu'on doit aller. Au son, t'arrives pas à te diriger, Nayane? Au son? Parce que je suis à l'arrivée. Ah, attends, ok, t'es à l'arrivée, alors. On peut aller à l'arrivée. Tu dois entendre le disco, là. Ah, j'entends le disco, là. J'ai trouvé, j'ai trouvé. C'est bien. Non, je vais trop vite. Mais ça change à chaque fois, le truc, non? Chaque partie, ça change le... J'ai pas suffisamment joué pour que... S'ils ont réussi à faire cette prouesse de voilà, qu'il y ait un coup, enfin un trou différent en chaque... Oh la vache. Bravo, franchement ça serait bien programmé. Mais je sais pas, j'ai pas assez joué par contre. J'avais... Parce que quand j'avais joué avec EJ, c'était le centre ou le fond. Ouais. Ça m'étonne. Mmh. Bon allez, pour la fin, hop. Ah 127 coups, purée la vache. Ouais. Quel échec. Okay. Oh, j'étais un coup du part. Merde. C'est une partie de merde là. Oh, j'étais si proche de ce pas grave, ça pour une prochaine okay. Bah merci d'avoir joué. Ouais. Ah bah il est 20h05, un kit pour le relais là. C'est quoi. Ça, exactement. Merci, merci, c'était cool. Ouais, c'était rigolo, mais... Épique. Epic Game. Ouais. Il y a deux joueurs qui t'allent au fait. Hein. Vivi. Alors attendez. Hop, je coupe l'enregistrement.